parole. Quelqu'un peut dire amen. Alléluia. Chapter 1, verse 27, the Bible says this. Stupefaction. And they were all amazed, some at depth. Les uns they questioned among aux themselves, autres, saying, qu'est-ce que ceci, what une this doctrine, is thing? Commande what avec thing is this? Même what new doctrine is this? For we have already commanded de the heaven, the unclean spirit, and they do obey to him. Second Corinthians. Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. En imputant point aux hommes leurs offenses. For the Son of God, Jesus Christ, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour vous, pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 2 Thessaloniciens 1:10. Lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. C'est pourquoi
Aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu juge bien de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi. Pour que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié en vous et que vous soyez glorifié en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Et notre tête, voyons de prière. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, le Dieu immuable, qui est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Seigneur, ces paroles qui ont été lues, tout le monde peut les lire, Seigneur. Le contexte vient de toi, Seigneur. Donne-moi, Seigneur, et donne à cette église le contexte, Seigneur, pour que chacun puisse saisir quelque chose de ta part, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, que tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Écarte-moi du chemin, Seigneur, et parle par mon canal à ton peuple qui est une partie de ton épouse qui est représentée ici dans cette église, Seigneur. Nous croyons que ton épouse est représentée partout dans le monde entier, Seigneur. Et lorsque la parole sera prêchée, notre Dieu, que quelque chose puisse se faire dans la vie de ton fils. Accorde-le, Seigneur, pour ta gloire. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions pour ta gloire. Amen. Bénissons le nom de Dieu ce matin. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Nous vous saluons tous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Pendant au moins deux jours, nous étions à Lokodjur pour soutenir le pasteur David Wassa dans ses réunions. Pastor David Wassa with his meeting. Vous partez matin, vous revenez le soir, la nuit, et ainsi de suite, jusqu'à hier soir. Lui-même voulait que je puisse, si j'ai fini le message ce matin, si je vais aller directement dans son église. Ce qui serait un peu difficile pour moi de le faire, mais Dieu est grand. Amen. Nous avons un petit message ce matin, une autorité par révélation. Béni soit le nom du Seigneur ce matin. Amen. Frère Branham disait dans le message ici, les Gazans, la souterraine, les Gélecs et les Asiles, 119. Il dit, il y a une fois, avant la fondation du monde, j'étais éternel, lorsque Dieu a pensé à moi. On a passé à moi avant la fondation du monde. Mon nom a été écrit dans le livre de vie de l'agneau. Et le vôtre aussi, avant qu'il existe même un grain de sable. Combien savent que c'est biblique? Combien savent que Dieu a inscrit votre nom dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde? Donc la pensée de Dieu, nous étions nés en ce moment-là dans son royaume. Et un jour, un corps naquit par le lien sacré du mariage entre mon père et ma mère. Et ils m'ont engendré. Et me voici, William Branham, représenté dans un corps de chair. Eh bien, vous me connaissez comme William Branham, un homme. Dieu m'avait connu comme William Branham, une pensée dans son esprit, une expression. Une parole, c'est quoi? Une parole, c'est une pensée exprimée. Lorsqu'il a parlé disant qu'il vienne, je suis venu. Lorsqu'il dira qu'il revienne, je reviendrai. Oui, c'est une pensée. Une parole est une pensée exprimée. Dieu a déjà donné la parole, tout ce qui était sa pensée. Il a exprimé cela. Après qu'il a exprimé cela s'accomplit. C'est là Dieu, l'Omnipotent, le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant Jéhovah. Il est présenté maintenant pour accomplir cela. Et il a fallu un faux baptême pour y venir. Avant la fondation du monde, il a pensé à moi. Amen. Et il dit que vous êtes éternel comme Dieu est éternel. Une pensée. Il dit, vous me connaissez comme William Branham.
Mais Dieu, quand lui me voit, il me voit William Branham, une pensée, une expression. Béni soit son Saint-Nom. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Et ces pensées devaient être exprimées, devenir la parole. Et mais dans Genèse chapitre 1, la Bible dit qu'il souffla sur eux. Et Adam devait une âme vivante. Amen. Et dans son ministère de la résurrection, il souffla sur eux. Il dit, recevez le Saint-Esprit. Et a soufflé sur eux. C'était la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle. Et il leur a dit, allez à Jérusalem. Mais il souffla sur eux comme il souffla sur Adam. Il dit, et avant la fondation du monde, j'étais une pensée. Et la pensée, c'est la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle. Il dit, vous me connaissez comme William Branham, un homme. Mais lui me connaît comme William Branham, une pensée. Et il souffla sur eux. Recevez le Saint-Esprit. C'était cette pensée de Dieu qui devait se matérialiser comme étant les sept vertus. Béni soit son Saint-Nom. Que le nom de Dieu soit béni. Dieu est tellement bon pour ses enfants que personne ne peut et ne peut et ne peut et ne peut toucher à ses enfants. Mais la Bible déclare, vous recevrez une puissance. Quelle est la commission de la puissance? Dieu envoie la puissance. C'est la dynamique qui se déguise comme la puissance. La vertu puissance. Pour que cette semence, Joseph perfection, se gère, puisse se manifester. Quelle autorité Dieu donne à ses enfants? Quelqu'un pourra dire, frère Paul, tu l'as déclaré que jusqu'à décembre, beaucoup de choses vont se passer. Et une autre personne dira, c'est Dieu qui a parlé, ce n'est pas frère Paul. C'est cela l'autorité d'un fils qui déclare quelque chose. Et la chose doit s'accomplir. Vous ne devenez pas un fils de Dieu par la nouvelle naissance. Vous l'avez toujours été. Et cette semence, Joseph perfection, la parole de Genèse, la parole de Jean, se déguise comme une semence. Et Dieu souffle sur toi. C'est la foi, la vertu jusqu'à l'affection fraternelle. Tu pourras dire, je ne sens rien. Tu n'as pas besoin de sentir. C'est ce qui est c'est ce que Dieu parle du baptême et du Saint-Esprit sans sensation. Mais tu as une confiance puissante à l'éternel Dieu. Qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi. Dieu veut se rassurer qu'il y a quelque chose à l'intérieur de ses enfants. Mais tes cinq sens de ton esprit et de ton corps sentiront un jour cette chose sacrée qui va se mouvoir dans ta vie. La Bible dit ici, pendant 40 jours, il se manifestait à ses disciples par des prêts physiques dans son ministère de la résurrection, dans son ministère de la voix de l'archange. Amen. Pour leur donner la foi de la résurrection, pour leur donner une certaine autorité dans leur vie.
Peu importe qu'ils ne sont même pas encore arrivés dans le temps de recevoir la puissance, mais il y a quelque chose dans leur cœur qui leur dit qu'ils sont des fils de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Dieu veut que tu puisses être rassuré. Il y a quelque chose au-dedans de toi. Amen. Peu importe les problèmes qui peuvent arriver sur ton chemin, mais tu sais que tu es fils de Dieu. Il dit, vous me connaissez comme William Mario Branham est un homme. Mais Dieu, lui, me connaît comme William Mario Branham, une pensée. Et moi-même, je le sais que je suis sa pensée, une expression. Quand le Saint-Esprit vient en vous comme étant la puissance. Amen. C'est pour vous sceller. Voilà pourquoi c'est de baptême à baptême. Puissance après puissance. Lorsque cette puissance vient dans ta vie, c'est à ce moment-là que tu vas ajouter. C'est à ce moment-là que tu vas ajouter des vertus qui sont à toi comme une révélation, qui seront ajoutées comme une expérience. Et cela ne peut pas être avant que la puissance ne vienne dans ta vie. Je n'entends pas un amen. Cela ne peut pas être possible avant que la puissance ne vienne dans ta vie. C'est alors que ces vertus qui sont en toi comme une révélation deviendra une matérialisation, deviendra des voix vécues. Que quelqu'un puisse dire amen. Peu importe les épreuves qui viendront dans ta vie, tu n'as même pas pleuré. Pourquoi? Parce que tu sais que sans épreuve, je ne peux pas manifester ces choses comme une expérience. Mais ça est en toi comme une révélation. Voilà pourquoi lorsqu'ils étaient dans la chambre haute, ils adoraient Dieu continuellement. Ils louaient Dieu continuellement dans les temps. Amen, ils étaient en train de régler certaines choses entre les être égaux et ainsi de suite, je ne sais pas quoi. Arranger certaines choses entre eux. Amen, mais chacun savait qu'il était un fils de Dieu. Et je me suis mal comporté en pensant que ceci, cela, cela. Et ils arrangeaient certaines choses entre eux. Amen. Alléluia. Mais ils savaient qu'il y a quelque chose dans leur cœur. Que cette pyramide dans leur vie comme une révélation. Qui souffla en eux. Recevez le Saint-Esprit. C'était cette promesse. Cette promesse divine. Oh glorieux, glorieux. Cette promesse est une réalité dans leur cœur. Dans leur vie. Et ils savaient. Frère, regarde, il y a trois choses. Né de nouveau. Glorie. Parce que lorsque la puissance vient, vous naissez de nouveau. La foi est à une révélation. La vertu, c'est une puissance qui vient dans la foi. Et vous le savez. Comme la témoignage de cette sœur. Et personne ne peut la dissuader un jour pour dire que Dieu n'existe pas. La foi a libéré la puissance et se tient vérité scripturellement dans sa vie qu'aucun démon ne peut le toucher ou bien le dissuader que Dieu ne vit pas. Il y a trois choses. Né de nouveau. Deuxième chose. À un endroit de preuve. Prouver avoir les sept vertus en vous. Après que les sept vertus soient testées, prouver être en vous. Si c'est troisième phase. Et alors Dieu vous scelle les sept vertus pour la charité. Par la charité dans le corps correctement.
confirmé, placé positionnellement dans les corps adoptés. Et à ce moment-là, vous recevez une autorité apostolique. À ce moment-là, vous recevez une autorité apostolique. Alléluia. La chose est en toi comme une révélation. Mais vous avez besoin de la puissance. La puissance pour faire quoi? Pour amener ce chose à une réalité confirmée. Peu importe l'endroit de preuve que tu pourras entrer un jour, tu ne reculeras pas. Parce que c'est quelque chose qui est à l'intérieur de toi. Ce n'est pas hors de toi. Parce que les pensées de Dieu ont été présentées dans les messages de 707 honneurs. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Can somebody say amen? Nous bénissons son Saint-Nom. We bless his holy name. Gloire soit rendue à Dieu. To God be the glory. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. De la même manière qu'il fait trois choses. Le cri, la voix, la trompette. Alléluia. Et le cri, le message. Des pensées de Dieu. Exprimées dans ta vie. Et la voix vient. Pour venir vivifier. Avez-vous pensé à cette écriture? Au jour de la voix. Du septième ange. Avez-vous pensé à cette écriture? Au jour de la voix du septième ange. Au jour de la voix du septième ange. La Bible ne dit pas au jour du corps du septième ange. La Bible dit au jour de la voix du septième ange. Lorsqu'il sonnera de la trompette, tous les mystères de Dieu seront révélés. Le corps pourra être retiré de la terre, mais la voix continue sur la terre. Et Jean déclare, je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. Et lorsqu'il a fini son travail, la voix était sur la terre. Dites amen à quelqu'un. Et Malachi 4. Apocalypse chapitre 10, verset 7. Au jour de la voix. Et lorsqu'il finit avec Malachi 4, le corps va dans la gloire. Et la voix est sur la terre. Alléluia. Mais les gens ne savent pas que Élie est déjà venu. Et il a accompli sa mission. Mais la voix est sur la terre. Les gens ne savent pas que l'apostolique a accompli sa mission. Mais la voix est sur la terre. Ils s'attendent que quelqu'un revienne. Il ne reviendra jamais. C'est démoniaque de les penser. Mais la voix est sur la terre. Au jour de la voix. Pas au jour du corps. Au jour de la voix. Le corps finira son travail. Mais la voix est sur la terre. Quelle est cette voix? C'est la voix de Dieu. La voix de Dieu n'a jamais quitté la terre. Et cette voix est ici. Pendant que je prêche. Cette voix est ici. La voix de l'archange est ici. Pendant que je prêche. Mais quelqu'un doit le croire. Je bénis son Saint-Nom. Amen. Amen. Et lorsque quelqu'un a une révélation comme cela, il ne sera jamais dans la confusion. Il sait que quand Dieu finit avec le corps, mais la voix est sur la terre, il ne sera pas là en train d'adorer le corps quelque part. Le corps a fini son travail, mais la voix est sur la terre. Oh, alléluia, alléluia, béni soit son Saint-Nom. Est-ce que quelqu'un dans cette salle le croit? Si vous avez cette révélation dans votre vie, c'est là que le miraculeux prend place. C'est là que le miracle commence à agir dans ta vie. Lorsque vous savez que la voix est sur la terre, alors remarquez les miracles sont opérés dans ta vie. Parce que tu sais que Dieu n'a jamais quitté la terre.
Glory. Gloire. Oh, hallelujah. On peut vous asseoir si vous voulez. Et lorsque vous recevez le Saint-Esprit, comme une puissance, c'est pour amener cette semence à une réalité. Et c'est à ce moment-là que tu vas ajouter. La Bible dit ajouter. Mais tu ne peux pas ajouter sans puissance. Tu ne peux pas ajouter sans puissance. C'est quand la puissance vient que tu ajoutes. Tu ajoutes. Tu ajoutes. Tu ajoutes. En d'autres termes, ces choses deviennent pour toi des réalités confirmées. Je vous assois. Je bénis son Saint-Nom. I bless his holy name. Amen. Amen. Malachi 4. Malachi 4. Élie et Élisée. Elijah and Elijah. Paragraphe 1. Paragraph. Bonsoir mes amis. Je suis très heureux d'être de nouveau ici ce soir pour servir son peuple. Au nom de notre précieux Seigneur Jésus. Je voudrais une fois de plus exprimer mes compliments à cette chorale espagnole pour ce beau cantique. Vous savez, ce n'est peut-être pas que je comprenais tout, que je comprenais toujours les mots, mais pouvais comprendre l'esprit dans lequel c'était chanté. Il en est ainsi. Vous pouvez lire un livre, lire un sermon, vous pouvez lire votre Bible, lire les brochures, t'asseoir même dans ta chambre et lire les commentaires de l'apostolique. Tu ne recevras rien. Tu peux lire tes brochures, lire la Bible 40 ans. Tu sortiras dedans avec une confusion dans tes pensées jusqu'à ce que toi, mais tu peux être déclaré comme le créateur des cieux et de la terre. Et avoir un groupe d'hommes pour te suivre dans cette démonologie. Tu peux lire tes brochures. Tu peux lire la Bible comme tu le veux. Tu ne recevras rien. La seule chose que tu reçois, comme tu es parti à l'école, c'est une compréhension intellectuelle de ces versets. Notre destinée éternelle ne dépend pas de la lecture des bandes que nous lisons, que nous écoutons, que nous voyons. Mais notre destinée éternelle dépend de la révélation. Frère Branham disait que chaque fois que vous écoutez les bandes, que vous lisez le brochure, Dieu vous donnera le discernement des choses que Dieu a dit sans les dire ouvertement. Et notre destinée éternelle ne dépend pas de ce que vous écoutez ou bien de ce que vous lisez là. Mais du discernement de ce que vous écoutez et de ce que vous lisez. Vous pouvez lire un sermon. Et comme tu es parti à l'école, tu es arrivé jusqu'au doctorat ou bien au maîtrise, lycée et ainsi de suite. Tu as une compréhension de la manière que toi-même tu lis ou bien tu es en train de faire la dissertation à l'école. Et Dieu permet de donner certaines déclarations dans les brochures. Et l'intellectuel mourra avec ces déclarations. Voilà pourquoi c'est une minorité dans cette taille de l'épouse qui entreront dans cet enlèvement. Parce qu'ils auront la révélation scripturellement parlant de ce que Dieu a dit. Deux personnes peuvent lire une seule cotation, mais chacun donnera sens comme il veut. Mais nous bénissons Dieu. Il le fait esprit.
Et il l'a toujours fait ainsi. Vous pouvez lire un sermon. You can read a sermon. Mais vous ne recevrez rien. Mais pourquoi Dieu nous dit tout, nous dit de lire ce glorieux message de cette société. C'est parce que Dieu sait que sans le Saint-Esprit, tu pourras lire et tu peux aller en enfer. Et Dieu sait que vous devez d'abord recevoir le Saint-Esprit. Et lorsque tu iras dans les brochures, le Saint-Esprit qui est dans ton cœur va commencer à t'ouvrir ces écritures. Glory. Glory. Que ceci rentre profondément dans votre cœur. Frère Branham, suis ta parole, Seigneur. Il dit, paragraphe 44. Maintenant, pour vous débarrasser de ce tourmenteur, vous ne pouvez pas. Vous ne serez jamais sauvé. Et vous ne recevrez jamais le Saint-Esprit. À moins que vous croyez la parole de Dieu et l'homme qui vous la prêche. Je peux entendre un amen. Va dans tes séminaires. Lis tes brochures. Enferme-toi dans ta maison. Tu ne recevras rien. Renferme-toi dans ta chambre. Avec des brochures, commentaires, brochures, commentaires. Tu sortiras docteur à des imaginations, docteur à des philosophies. Et ton corps sera fatigué avec des démons de l'enfer. Mais béni soit le nom du Seigneur. Il y a un peuple sur la terre. Vous ne recevrez rien. Je dis rien. Je dis rien. Ça croit sa parole et l'homme qui la prêche. Mais comment vas-tu croire s'il n'y a pas quelqu'un qui le prêche? S'il y a une prédestinée dans cette salle ce matin, il doit dire amen pour sa liberté. Voilà pourquoi le ministère apostolique pouvait dire, j'ai trouvé l'endroit et j'ai trouvé l'homme. Je ne peux jamais sortir. Parce que ma destinée dépend. Parce que ma vie éternelle en dépend. Je ne bougerai pas. Je sais à qui j'écris. Que les racheteurs disent amen. Et le prophète dit. À moins que vous croyez la parole de Dieu. Et l'homme qui vous la prêche. N'est-ce pas vrai? C'est ainsi que vous recevez la guérison de la même façon. Regardez quelqu'un qui est malade, mais il croit ce ministère. Il sait que sans ce ministère, je ne suis rien. Et il met sa foi. Et il sait seulement que s'il prononce la parole, quelque chose va m'arriver. Mais il y a quelqu'un d'autre qui dit, moi aussi, Dieu me voit. Je vais aller prier dans ma chambre. Tu vas souffrir des années et des années. Mais quelqu'un est béni dans cette salle. Toi, tu es là en train de souffrir. Vous asseoir. Vous asseoir, asseyez-vous. Je vais essayer un peu de vous détendre un peu. Avant que je puisse continuer. Il y a le frère Mokoro de Nigeria qui nous donne un témoignage. Écoute le témoignage. Il y avait un gros bus, vous savez, au Nigeria, des gros bus qui quittent d'endroit en endroit. Et dans ce bus-là, il y avait du monde. Et tout à coup, peut-être à l'arrêt, des individus sont rentrés dans le bus. Et ces individus-là,
And that, those c'est des voleurs. People, they were thieves. They were robbers. Et les voleurs sont rentrés. The robbers enter in the bus, the big bus. Après, ils ont fait sortir leurs armes. They showed the weapons. Et dit, ils ont dit ceci. They said this. Bon, voici ce qui va arriver. Well, this is what will happen. Quels sont ici ceux qui sont dans ce bus qui paye leur dîme? How many here in this bus pay the tithes? Mettez-vous de ce côté-ci. Go this way. Tous ceux qui payent les dîmes, mettez-vous de ce côté. Pay the tithes. Go this way. Ils ont soulevé leurs mains, ils ont soulevé. Mettez-vous de ce côté-ci. They say, go this way. Bon, qui sont ceux qui ne payent pas la dîme? How many here don't pay the tithes? Mettez-vous de ce côté-ci. Go that way. Ok. Ok. Monsieur le chauffeur, Mr. Driver, qui démarre la voiture avec tous ceux qui paient la dîme. Partez. Maintenant, vous qui ne payez pas la dîme, and you that don't pay your tithes, vous êtes des voleurs, nous sommes des voleurs, et nous allons vous voler. We are robbers and we will steal you. Vous êtes des voleurs, you are nous sommes des voleurs, mais nous avons des armes, on va bien vous voler, well, parce que nous tous nous sommes les mêmes choses. We are all same. Alléluia. Alléluia. Parce que tu ne paieras jamais la dîme sans avoir la révélation de celui qui prêche. Et tu auras que des problèmes, ces problèmes. Ce n'est pas notre affaire. Notre affaire, c'est que tu seras malheureux. Non, pas notre problème. Tu n'as aucune révélation. Au temps de Salomon, la Bible dit que chacun était béni. Tout ce qu'il faisait, il était béni. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la révélation que Dieu leur envoyait un don. Et chacun était béni dans tout ce qu'il faisait. Et il ne pouvait même pas y avoir un voleur qui va venir créer des situations difficiles de la vie de cet homme. Non. Parce que la main de Dieu Tout-Puissant était avec eux. Et tu ne peux pas être béni, hein, sans avoir la révélation de la personne qui te prêche. Pourquoi tu ne payes pas ta dîme? C'est parce que tu es un voleur. Et tu n'as aucune révélation de la personne qui te prêche. Et nous aussi, on s'en fout de toi jusqu'à ce que tu aies la révélation. Et Dieu bénira celui qui est là, qui a la révélation. Et Caïn va naître dans ta vie. Will born in your life. Will be born in your life. Et le voleur lui-même sera volé. The robber will be stealed too. Mais ce voleur qui vient te voler vient avec des armes. The robber that come to rob you, he comes il détruit toute ton économie. That's where all your tu fais un projet, ça ne marche pas. Oh non, Seigneur, tu m'as abandonné. Oh, mais tu es un voleur. Forsook me. You know, because you are a robber. Il t'a abandonné encore. N'est-ce qu'un petit voleur? Mais béni soit le nom du Seigneur. Les voleurs peuvent être changés un jour. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Il dit, vous ne recevrez rien en lisant votre livre. By reading your books. En lisant vos brochures. By reading your message books. Vous savez, you know, ce glorieux message, this glorious message condamne les séminaires et les grands séminaires. Et les gens du message sont devenus des séminaristes. The people of the message have become seminaristes. Ils sont dans les petits et grands séminaires. They are in the little and big seminary. Avec des brochures, with books, avec des bibles. C'est des séminaristes. They are seminaristes. Dis-lui quelque chose. Il dit non, frère Branham a dit ici. Le ministère apostolique a dit ceci. Un séminariste, dans sa vie, il n'a rien. Aucune révélation, aucune puissance. No revelation, no power.
Béni soit son Saint-Nom. Bless and be his holy name. Et Dieu dit ici que vous ne recevrez rien. Il dit, vous pouvez lire un livre, lire un sermon. Cependant, vous ne direz jamais quelque chose, à moins que vous entendiez la personne prêcher ce sermon. L'esprit accompagne cela. Est-ce que quelqu'un peut se lever et dire amen? Il dit, l'esprit accompagne cela. Veux-tu avoir le Saint-Esprit? Presse les pas. Ne reste pas dans ta maison le mercredi, le dimanche. Peu importe le travail, presse les pas. Parce que tu recevras quelque chose de la part de Dieu. Nous sommes des canaux de communication. Donc Dieu utilise pour bénir son fils et sa fille. Nous sommes là pour servir le peuple de Dieu. Mais laisse que ce peuple puisse avoir cette révélation. Et que cette révélation puisse tomber dans leur cœur. Vous regarderez, vous remarquerez comment Dieu bénira votre vie. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen, you may be seated. Gloire soit rendue à Dieu. God give the glory. Oh glory. Oh glory. Quand tu viens, tu écoutes un sermon par un homme loin. L'Esprit de Dieu accompagne cela. Et lorsque le Saint-Esprit va oindre ton âme et va vivifier cette sémence, lorsque tu liras les brochures que tu liras, Dieu te conduira pour t'amener et te montrer là où tu es arrivé et ce qui va arriver dans ta vie demain. Tu ne reculeras jamais. Parce que tu es dans un bon endroit. Béni soit son Saint-Nom. J'ai dit l'heure est arrivée où les malades seront guéris. Amen. Les boiteux marcheront. Les sourds attendront. Peu importe la personne qui viendra dans cette église malade, il sortira guéri. Parce qu'il y a assez d'autorité ici pour chasser les démons et pour détruire chaque esprit démoniaque. Alléluia. Alléluia. C'est par cette autorité que Dieu déclare que le Saint-Honneur donnera la foi. Le Saint-Honneur vivifiera cette épouse. Le Saint-Honneur rassemblera l'épouse. Alléluia. C'est par cette autorité que nous vous disons, vous recevrez la gloire et vous verrez la gloire de Dieu dans ta vie. Quelqu'un dira, c'est un homme qui parle. Ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu voilé qui parle et qui est en train de dire à quelqu'un quelque part ce qui va arriver dans sa vie. Je dis jusqu'à décembre, il n'y aura pas quelqu'un ici malheureux. Il y aura assez de puissance, d'autorité. Mais qui te donne cette autorité? C'est Dieu dans mon cœur qui me dit ce que je prêche. Je ne l'écoute pas. Ou bien je suis un homme quelque part. Je suis Dieu qui est dans mon cœur. Et il m'a donné le fardeau pour son peuple. Et je sais que l'heure est arrivée où l'autorité de Dieu qui est ici va détruire chaque puissance démoniaque. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est par cette autorité que le ministère apostolique disait, il y a trois phases. L'affection fraternelle, la sainte décence, la place à Christ. C'est par cette autorité que nous déclarons que l'épouse est arrivée dans un temps où ils doivent défier l'enfer. Je ne vois pas les cancers traumatiser un fils de Dieu longtemps. Je ne vois pas les tumeurs fatiguer un fils de Dieu longtemps. Cela doit quitter vos vies. Pourquoi? Vous servez un Dieu vivant. Vous devez avoir un témoignage sous le septième sceau. Et ce glorieux ministère de Dieu est sur la terre pour défier l'enfer. Je ne vois pas comment tu peux dire mon oncle m'en fout. Ça c'est un païen. Mais un fils de Dieu dira,
Chaque démon sera soumis à moi. Même pas un sorcier, même pas un charlatan, même pas un démon ne peut te posséder. Sous cette troisième phase, il n'y a pas un démon qui peut aliéner un fils au chat. Bénissons son Seigneur. Peu importe les puissances démoniaques, les puissances sexuelles, les puissances sataniques, il y a un fils sur la terre dont chaque esprit sera soumis. Peu importe le business que tu feras, la main de Dieu sera dans ta vie. Il n'y a pas une puissance démoniaque qui va toucher à ta vie, qui va toucher à tes affaires. Où est le Dieu de l'île? Il est sur la terre. Il est où? Il est dans la vie d'un homme. Quelque part, un fils est acheté. Nous une autre église juste à la fin des temps, une église telle que la puissance du Saint-Esprit puisse la pénétrer dans la démonstration de l'Esprit, et que Marc 16 puisse accompagner l'église, que acte 2-4, acte 2-38, que tout cela accompagne constamment l'église, les signes et les prodiges accompagnent les apôtres, des grands signes de sa résurrection les accompagnaient pendant que nous sommes en prison assurément. Dieu est en train de faire pousser une chevelure en Côte d'Ivoire, à Ajor Tabernac. Il y a une chevelure qui est en train de pousser dans ta vie. En vue de la dernière grande bataille, c'est toi Samson, c'est toi dont la chevelure est en train de pousser. Les vertus sont en train de prendre forme dans le monde surnaturel. Il y a quelque chose qui prend forme. Si hier tu avais joué, ne pleure pas. Ne te lamente pas. Je dis maintenant pour vous, l'âge de la victoire est arrivé. Je dis l'âge de la victoire dans cet espace arc-en-ciel. C'est l'âge de la victoire. Cela est arrivé pour un fils, pour un fils, pour une fille. L'âge de la victoire est arrivé. S'il n'y a pas de combat, il n'y a pas de victoire. C'est dans ce combat Dieu te donnera la victoire sur le démon, sur la puissance démoniaque. Aucun démon ne t'aliénera. Dis à Satan, Paul Olandje qui m'a dit, j'aurai la victoire. Paul qui t'a dit, je m'a dit de te le dire. Rien que tu feras, que le diable touchera. Rien que tu feras dans cet âge de victoire, que le démon va détruire. J'ai dit dans le nom de Jésus, tout ce que tu feras, tu auras la victoire. Dis amen. Dis amen. Ouvre ta bouche et dis amen. Crois ceci. L'autorité, une révélation, une autorité. Par une révélation surnaturelle. Ça fait des années que tu es dans ton temps d'épreuve. Ça fait des années que tu demandes quelque chose à Dieu, tu n'as pas la réponse. Et tu es un Dieu de derrière. Tu es notre Dieu de moquerie dans l'église et hors de l'église.
Mais je te dis ce matin, tu reçois la prière, l'exaucement de ta prière. Ce monde saura qu'il y a des fils de Dieu sur la terre. Vous qui êtes connectés avec nous sur Internet, la même onction qui est ici est en train de passer par la technologie. Et cela est en train de vous oindre. Partout vous serez. Chat. Glorie. Glorie. La puissance de Dieu suscitera une église. Et qui est cette église? C'est toi. La puissance de Dieu suscitera une église. Qui est cette église? C'est toi. C'est toi qu'il s'agit. Ce matin, Michael parle à votre cœur directement comme un message direct, une réponse à ta prière, un message direct que Dieu est en train de parler. Avez-vous déjà imaginé, avez-vous déjà réfléchi, avez-vous déjà médité, pourquoi l'ouverture de cette seau? Pourquoi l'ouverture de cette seau? L'agneau était sur le trône d'intercession pendant 2000 ans, en train d'intercéder, de prier. Père, regarde la prière de ton fils. Regarde la prière de ta fille. Regarde ta fille en train de soupirer. Regarde son problème. Pendant 2000 ans, il est assis sur le trône en train d'intercéder. Mais à la fin de la prière, à la fin de 2000 ans, il prend le petit livre et il descend. C'est un livre d'exaucement de prière. Il vient réclamer. Il vient dire à ce fils et à ses filles, lève-toi, sois éclairé, ta gloire est arrivée. C'est la réclamation par le feu. Avez-vous écouté? Quand l'apostolique disait que Jéhovah, Dieu activement avec son peuple, Dieu lui-même vient en train d'exaucer la prière de ses enfants, en train de dire à sa fille, ça fait longtemps que tu es dans ton temps de prêt. Aujourd'hui, tu es dans la victoire. Je vous dis dans le nom de Jésus, l'heure est arrivée où nous parlons, la chose arrive. Où quelqu'un doit écouter, la chose arrive. Ce matin, j'exauce avec Dieu à ta prière. Peu importe le temps que tu as fait ici, en train de chémir, en train de pleurer. Ce matin, Dieu répond à ta prière. Lève-toi, sois éclairé. Jéhovah, activement. Avec son peuple en train de répondre à leur prière. Le temps est court. Le temps est court. Le temps est court. Jésus, c'est le temps du scellement. Le temps où Dieu te dit, mon fils, lève-toi. Le temps de pleurer est fini. Avez-vous lu Job? Premièrement,
Dieu révèle le mystère de qui est Job au monde entier. Et à tous les démons. Que Job est mon fils. Que Job est ma pensée. Que Job est mon expression. Deuxièmement, Job rentre dans sa fournaise. Et les membres de l'église, c'est manque de Job. Où est ton Dieu? Où est le Dieu que tu pries? Où est le Dieu que tu adores? Regarde ta souffrance. Regarde ton problème. C'est que les membres de l'église ont oublié d'avoir comme révélation. C'est que le même Dieu qui a dit, Job est mon fils, ne peut jamais l'abandonner. Et à la fin de leur discours, l'Éternel arrive. Où étais-tu, Job? Où étais-tu, Job? Lorsque les étoiles du matin poussaient des cris de joie et qu'à la révélation est tombée dans le cœur de Job, il a crié, je sais, I know, je sais, mon rédempteur est vivant, de mes yeux, je le verrai. C'est ta voix, de mes yeux, tu le verras, Karine, tu le verras, tes yeux verront la gloire de Dieu, tu le verras là-bas, Jordan, tes yeux verront la gloire de Dieu. Et je le dis ce matin, quelqu'un sera guéri, quelqu'un sera scellé, quelqu'un sera baptisé. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Quand les sceaux de la vie ont été brisés pour Job, tout a changé. C'est la réclamation. La révélation de cette sceau s'étonnait. Ce n'est pas simplement l'ouverture de la parole, mais c'est l'exaucement de prière. C'est la fin des souffrances. C'est la fin, c'est la fin. Le septième saut, c'est la fin de plaies. C'est la fin de ceci. C'est la fin. La fin de ta maladie. La fin de ton chômage. La fin, la fin. Est-ce que quelqu'un peut déclarer son indépendance ce matin? Aujourd'hui, Elohim est en train de répondre à toutes vos préoccupations. Quelqu'un pourra se lever ce matin pour dire que c'est moi. C'est mon nom qu'on appelle. C'est de moi qu'il s'agit. C'est la fin de tous mes problèmes. Frère, comment pouvez-vous imaginer un franc-maçon qui a du travail? Un franc-maçon qui a du boulot quelque part. C'est de par leur alliance entre eux. Et celui qui se dit fils de Dieu en train de souffrir de chômage. Est-ce que ce fils-là est né de nouveau? Est-il né? Parce que s'il est né, l'impossible sera rendu possible. Non, je n'attends pas rien. J'ai dit sortez de fausses conceptions de ce message. C'est comme si Dieu est notre malheur.
comme si Dieu est notre malheur. Il ne l'a jamais été. C'est parce que toi tu mets Dieu quelque part. Il n'est pas quelque part. Il est proche de toi. Il est à côté de toi. Il te touche même. Dieu est sur la terre en train de répondre aux prières de ses enfants. La chef d'œuvre, Malachi 4 dit. 136. La justification a ouvert la voie à la sanctification. La sanctification a ouvert la voie au baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit a ouvert la voie au Saint-Esprit lui-même pour descendre dans sa perfection, en ramenant de nouveau la parole afin de se manifester. 145. Remarquez, sa semence monte. Cette vie monte. Elle ne retourne pas en arrière. Il n'y aura pas de résurrection après ceci. La vie monte pour atteindre sa perfection, une résurrection. Le même grain de blé qui est passé par les processus de la tige, les graisses et la balle arrive aujourd'hui à la semence originelle, mais enveloppée de la balle. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. 185. Dans une fonderie. Quand un homme fabrique une cloche, il doit l'amener à rendre un certain son. Quand il prépare son moule, il y verse des métal et il met tant d'airain, tant d'acier, tant de cuivre. Pourquoi cela? Il connaît exactement la proportion à mettre. Que vont lui donner les sons qu'il faut? Et c'est ce que Jésus a fait pour son épouse. Il a dit mettre dans des doctrines luthériennes, dans des doctrines méthodistes, dans des doctrines presbytériennes, dans des doctrines de pentecôtistes. Et qu'en résulte-t-il? Son propre reflet. Son reflet. Son reflet. Comment cela? Tout comme le message de la pyramide. Vous voyez? Cela s'accumule jusqu'à devenir la minorité. Jusqu'à ce que ça arrive à la minorité pour la pierre de fête. Ou bien la minorité qui constitue la pierre de fête. Une pierre. Et ça constitue la pierre de fête. Cette minorité représentera Dieu sur la terre. Représentera le Saint-Esprit, lui. Comme Luther a représenté la justification, Wesley a représenté la sanctification, les pentecôtistes ont représenté le baptême du Saint-Esprit. Cette épouse représentera le Saint-Esprit lui. Qu'est-ce? Le ministère de Jésus-Christ sur la terre doit être le même que celui qu'il avait. Il n'y a pas un fight for ministry qui peut témoigner qu'il manifeste le ministère de Jésus-Christ plus que William Branham. Nous avons un modèle qui a manifesté ce ministère et qui a introduit le Messie. Il est sorti de l'affection fraternelle, là de la Odyssée, pour entrer dans l'espace arc-en-ciel.
avec le ministère de Jésus-Christ. Et il pouvait dire, je vous tourne le dos et vous verrez Jésus-Christ dans toutes ses caractéristiques. C'était Dieu. It was God. Voilé dans une chair humaine. Il a introduit l'âge de l'épouse. Il a introduit l'âge de la pierre de fête. Il a introduit l'âge du Messie. Et c'est là que l'épouse se trouve aujourd'hui. Malachi 4, 187. Certainement, si vous laissez les chiffons propres, ou plutôt les chiffons sales d'hier, ils resteront tout simplement les chiffons sales. Ils ont rempli leur rôle de vêtements. Mais maintenant, ils sont devenus du papier. La justification a accompli sa tâche. Dans la justification solitaire, oui, elle a dû devenir la sanctification à travers Wesley. Et la sanctification a accompli sa tâche jusqu'à la venue du baptême du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit a accompli sa tâche jusqu'à ce que le Saint-Esprit lui-même se fonde dans l'Église. Et l'Église se fond à Christ. Il se moule. Il se fond. Glory. C'est la fin que Jésus-Christ soit reflété sur la terre. Lorsque tous ces sept vertus sont fusionnées avec la charité, qu'est-ce que cela doit refléter? Jésus-Christ sur la terre. C'est ce qu'il a promis ici dans la Bible. Vous pouvez ne pas croire. Je ne peux pas vous y obliger. Je ne suis responsable que de la parole. Je ne peux pas vous obliger de croire. C'est un temps de fission. Le Saint-Esprit fission avec l'Église. Qui est l'Église? Cette sémence. Et cette sémence fission avec Christ. Pour refléter quoi? Refléter Jésus sur la terre. Et cette épouse va refléter Jésus-Christ sur la terre. Malachi 4 l'a reflété. Pierre l'a reflété. Son ombre guérissait les malades. Paul l'a reflété. Toucher simplement le corps de Paul et mettre le mouchoir. Ça guérissait les malades. Je ne peux pas vous obliger à croire. Je ne suis pas en train de prêcher comme des gens qui prêchent des déclarations tapageuses, mensongères, démoniaques. Je suis en train de prêcher avec le même esprit que prêchait William Arrow Branham. C'est le reflet de Dieu sur la terre. Alors regardez les miracles et les prodiges se manifestent. Regardez l'impossible être rendu possible dans la vie des hommes. J'ai déjà prêché dans cette église. Il y avait un tableau ici. Je vous ai montré de l'affection fraternelle à la pierre de fête qui est au sommet. Il y a un espace. Et c'est là que l'épouse doit entrer par naissance. Pas par enseignement, par naissance. Et quand elle entre par naissance, toutes ses vertus seront dans sa vie comme une réalité confirmée. Et dans ce temps de fission,
blending time. Cette épouse va refléter Jésus sur la terre. That bride will reflect Jesus on the earth. Et le reflet and the reflection sera la perfection. Will be the perfection. Et c'est dans ce moment-là at that time, que cette épouse manifestera le ministère de Jésus-Christ. The ministry of Jesus Christ. Et regardez, and le bouche des critiques est très ferme. Of the critics being sharp. 189. 189. Oh Dieu! Oh God. Si seulement nous pouvons, nous pouvions comprendre que nous sommes le reflet de Jésus-Christ. Sa parole rendit manifeste. Vous êtes le reflet de sa parole, voyez. Où se tient le réveil gallois? Dans quel bâtiment? Il répondit, monsieur, c'est dans mon cœur. Il était le réveil gallois. 190. Et l'église aujourd'hui devrait être Jésus-Christ à l'œuvre sur la terre. L'épouse doit être Jésus-Christ à l'œuvre. En d'autres termes, un reflet de Jésus sur la terre. Et manifester Marc 16, Jean 14, 12. Manifester toutes ces écritures. Manifested all those creatures. Vous pouvez vous asseoir. You may be seated. Glory. Gloire. Glory. Gloire. Frère. Brother. Allumez la lumière. Quel est le genre de processus? What kind un processus du Saint-Esprit. Of the Holy Spirit. En plus de ce qu'ils avaient, faisant cela jusqu'à ce qu'il imprime sa propre image. Quand l'Église et Christ deviendront un dans l'union, Dieu, le Saint-Esprit, imprime dans ta vie son image. Ce sera le reflet. That is the reflection of God on the earth. Glory. Gloire. Écoute-moi ce matin. Listen to me this morning. La foi est une ferme assurance. 34. Quand Christ signe votre nom sign your name dans le livre de vie, in the book of life, tout le monde chantera cela. Everybody will sing that. Mon nom est dans le livre. My name is in the Mon book. Nom est dans le My name is in the book. Mais dans mon cœur, but in my heart, je ne veux plus de déclarations. I don't want any more some statement. Vous avez besoin d'une réalité. I need a reality. Quand Christ sait when votre nom dans le livre de vie in the book of life, et que le Saint-Esprit and when the Holy Spirit l'imprime printed là-dessus. Au point que la vie de Christ est formée en vous. Voilà votre nom dans le livre. La formation de l'image parole est votre nom dans le livre. La formation de l'image est votre nom dans le livre. Your Mon nom name est dans le livre. Book, my name is in the book. Comment le sauras-tu? How will tu le sauras you will know quand l'image de Dieu when the image of God est imprimée is dans votre vie. In the life. Voilà pourquoi Pierre dit this is why vous devez Peter confirmer said you have to votre élection, to make votre your prédestination. Sure en faisant quoi? En ajoutant votre foi. By doing la vertu jusqu'à l'affection fraternelle, ce sera l'élection confirmée. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un, Dieu est en train d'ouvrir? Et à ce moment-là, tu sais que ce que tu seras n'est pas encore manifesté. Is not manifested mais yet. Tu as une assurance que quelque chose se passe dans ton cœur. Glory, glory. Glory, glory. Glory.
Glory. Gloire. Est-ce que vous êtes bien ce matin? Are you, do là, je me tiens à la porte et je frappe. Verset 5. Vous êtes partenaires. You are in partner. Elle disait, faisons l'homme. C'est partenariat. Let us make man. It is a partnership. You are partner. Mais ce n'est pas un partenariat avec des douleurs et des échecs. Mais ici, c'est un partenariat gagnant-gagnant. It is a partnership of winner. Tout ce que vous avez, everything that you have, il a aussi. It has it too. Est-ce que vous savez cela? Do you know it? C'est-à-dire que les douleurs que tu passes à ta chair, it means that the pain that il est venu goûter à ça. Comment tu souffres même de péché même. Il a souffert à ça. Souffrir de la maladie des morts de terre. Il a souffert aussi. Donc tu partages avec lui. Maintenant il veut aussi partager avec toi sa déité. Il devient vous. He becomes you. Il a goûté à la mort. He tasted death. Il a goûté à la souffrance. He tasted suffering. Un frère dira, frère, les gens m'abandonnent. Mais lui aussi, il a abandonné. Donc, il connaît so, qu'est-ce qui est appelé être abandonné. What being forsaken is. Donc, dans ton abandon, là, il sait comment venir te consoler. Forsaken, he knows how to come to comfort you. Maladie, il a souffert. Sickness, he suffered it. Glory. Gloire. Est-ce que quelqu'un peut dire amen quelque part? Can somebody say amen somewhere? Afin que vous puissiez devenir lui. So that you become him. Et tout en commun. Il est devenu toi. He became you. Dans ce partenariat. In his partnership. Il a souffert comme toi. He suffered as you do. Il a été insulté. As you did, he has been revived. Injurié. He has been abandonné. He has been forsaken. Le peuple même dont il est venu pour racheter. The very people who came to ne l'ont pas cru. They didn't believe. Il a été abandonné, laissé. Lui, le roi de gloire. Il n'avait même pas une maison. Amen. Donc, tout ce que tu passes sur la terre, lui, il est passé par là. Quelqu'un peut crier. Je suis en train de mettre fin à toutes tes douleurs ou bien tes préoccupations ce matin. Quelqu'un doit me répondre. Quelqu'un doit répondre. Je suis un frère. Il y a une onction ici dans ma vie. Partout j'irai prêcher. Dieu m'a dit, je vais te confirmer. Je dis, Dieu m'a dit. Il a pris ta place. He took your place. Pour que toi, dans cet espace arc-en-ciel, you in this rainbow slope, tu puisses prendre sa place. To take his place. Christ est devenu moi. Christ afin que moi, par sa grâce, je puisse devenir lui. His grace. Un fils de Dieu, son of God, assis à la droite de Dieu dans la gloire. Frère Paul, maintenant même right now, que je suis à Abidjan, je suis assis dans sa main droite. Arthur, jeune frère, young tu le crois?
Que pendant que tu es ici maintenant, tu es assis dans sa main droite. Qui le croit ce matin? Je dis maintenant meurs. Pas maintenant meurs. Par le Saint-Esprit. Tu es assis dans sa main droite. La main droite de Dieu, c'est sa puissance, son autorité. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Moi, une femme, née du sexe, born of the sex, dans tes douleurs, in your pain, dans tes situations difficiles, in your hard situation, et il t'élève, and he raise you up, et il te place dans sa main droite. And put you in his right hand. Quand cette révélation tombe dans ton cœur, maintenant Dieu dit, vas-y maintenant, now you can go. Va au travail. Va à l'école, va au marché, va partout. Chaque démon sera sous tes pieds. Chaque puissance démoniaque, satanique, ancestrale sera sous tes pieds. Tu ne pleureras plus jamais. Aucun démon. Là-bas au fond, au milieu. Dans l'autre salle, frère Blé, tu le crois ce matin? Commence à tirer en main. Je délève. Amen, bon amant. Est-ce que tu le crois? Je délève. La réalité est facile de Dieu vivant. 86. Frère, l'homme avait été fait pour être une aide pour Dieu. Une femme a été faite pour être une aide pour son mari. Mais en réalité, c'est un type. C'est l'ombre. Mais la réalité, c'est que son épouse, l'époux de Jésus-Christ, a été faite pour être une aide à l'éternel. Alléluia. Aide pour Dieu, pour devenir lui-même le Dieu de la terre. Pour devenir lui-même le Dieu de la terre. Une aide. Il n'y a pas de soleil. Pendant la nuit. In the night, in the dark. La seule chose que tout homme peut voir la nuit, c'est la lune et les étoiles. The stars and the moon. Mais le soleil en réalité est là. C'est son aide. Son aide du camp, sa femme qui représente le soleil pendant que le soleil n'est pas là. Et quand les gens regardent la lune, mais le soleil est là, représenté par sa femme. Et je suis ici maintenant en train de représenter Jésus-Christ. Voilà pourquoi chaque démon va te quitter ce matin. Qui le croit? Donatien, tu le crois? Que Dieu te donne le désir de ton cœur. Que Dieu te oigne. Que Dieu te donne ce que tu as toujours cherché. Dites ta mère. Où est le soleil? Where is the sun? Le soleil n'est pas là. The sun is not there. You cannot see it. Mais en réalité, le soleil est là. The sun is there. Mais le soleil est caché that the sun is hidden aux yeux at the sight du monde. Of the world.
Et le monde ne voit que la lune. The world only sees the moon. La lune prend la place du soleil à son absence. Est-ce que quelqu'un peut commencer à dire amen? Can somebody begin to say amen? C'est là que des extrémistes, des fanatiques ont manqué la révélation. Et ils ont commencé à adorer la lune. C'est des extrémistes. C'est des extrémistes. Ils ont commencé à adorer la lune. Parce que ce qu'ils voient faire, les choses qu'ils voient la lune faire, ils se rappellent quand le soleil était là. Et pour eux, c'est le soleil même qui est là. Il nous ment. Tu es un fanatique. Cela a commencé du temps de l'Ancien Testament. Tout au long de l'âge de l'Église. Jusqu'aujourd'hui, vous trouverez des églises de fanatiques. Mais à âge d'or tabernacle, c'est l'équilibre de la parole de Dieu. Que les rachetés s'élèvent et tirent à main. Is the balance of the word of God. Peut vous asseoir. You may be seated. My God. Mon Dieu. Glory. Gloire. Merci Seigneur. Thank you Lord. Il était devenu vous, afin que vous puissiez devenir lui. Cela dépasse l'attendement. Il n'y a pas moyen d'expliquer cela. Et n'essayez pas de le faire. Don't try to explain. Hein? Les jumeaux fanatiques. The twins. N'essayez pas de faire ça. Don't try. Tu vas t'embrouiller toi-même. Acceptez simplement cela. Only accept it. Il a proclamé. C'est réglé. Dites simplement que c'est vrai. Only say that. Croyez cela. Only believe it. Amen. Amen. Le lever du soleil. The rising of the sun. Il dit 153. Quel est le titre? 263. J'ai maintenant encaissé cela à mon profit. Maintenant. I will have to take it for my profit. Après sa mort, after his death, après sa mort, after his death, glory. Gloire. Après sa mort, after his death, son ensevelissement et sa résurrection, il est devenu moi, afin que je puisse devenir lui. Et il devint un pécheur, afin que moi je puisse devenir un fils. Et que je détienne le titre incontestable. Car voici les signes qui suivront ceux qui auront cru. Voyez, les titres sont contestables. Il élève dans sa main droite. Et il te donne un titre de propriété incontestable. Incontestable. Nous avons des avocats ici. On dit incontestable. And abstract cannot be contested. Je sais qu'il y a un juge qui est en train de me suivre à l'air là. Incontestable. An abstract title. Oh, oh. Oh. Est-ce que par contre tu comprends cela même? Hein? David, tu comprends? Do you understand it, David? Incontestable. And this. Oh, ça ne va pas dans ma vie. No. Oh là là. It's not working my life. Nothing is going good in my life. Oh, la la. Oh my mind. An abstract title, deal, a title which cannot be discutable. Tu te présentes avec cela devant n'importe qui. You present yourself before anybody. Il ferme sa bouche. He stands still. C'est ce titre-là qui donnait autorité. Gave authority. Adam. To Adam. C'est ce titre-là qui donnait l'autorité à William Branham. Il est devenu toi. He became you. Pour que toi tu deviennes lui. For you to become him. Avec un titre de propriété incontestable. My God. Mon Dieu. L'union invisible de l'épouse. Invisible. Les 105. Union of the bride. Et si Jésus, la parole, a pris ma place, il est devenu moi, un pécheur.
afin que je puisse devenir lui, sinner, la parole. So that I become him, the word. Laissez-moi lui rester fidèle. Pas à l'église, not the church, à la parole. To the word. Cette union spirituelle de Christ dans son église. Union maintenant, Christ lorsque la chair church, devient la parole et que la parole devient chair, manifestée, confirmée, juste ce que la Bible a dit qui arrivera en ce jour. Cela se produit jour après jour. Cela s'accumule jour après jour dans un désert spirituel. L'appel du Saint-Esprit qui sonde les cœurs. Vous êtes parfait. Vous êtes parfait. Vous n'avez jamais péché pour commencer. Je ne sais même pas. Oh. C'est de la merde de l'oubli. Vous ne l'avez jamais fait. Vous avez été accusé de cela par l'accusateur. Mais en fait, dès le début, vous étiez prédestiné à être un fils ou une fille de Dieu. Et vous vous tenez là, lavé de votre vie, lettre de divorce a été rejeté, enterré, inexistant, même dans la pensée de Dieu. Même dans la pensée de Dieu, tout ce que moi j'ai fait, lui n'a jamais fait ça. Peu importe un rétrograde qui verra ça, ça c'est son problème. Vous êtes l'épouse vertueuse de Christ. Est-ce que quelqu'un peut reconnaître son nom? Lavé dans le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu précieux, vertueux, sans péché, ayant une épouse parole pure, sans mélange. Il a été lavé par l'eau de son propre sang, devenu chair, manifesté, afin qu'il puisse vous prendre. Vous qui avez été prédestinés, tout comme lui, depuis le sein du Père, avant la fondation du monde, prédestinés comme lui. Oh, praise God, amen. Est-ce que quelqu'un commence à dire amen? J'ai bientôt fini. Dieu dévoilé. 243, Malachi 4. Maintenant, nous sommes invités à entrer en lui pour être participants de tout ce qu'il est. Nous sommes invités à entrer en lui. Et la chose est cachée aux incroyants par le voile de la chair. Quand je marche à Abidjan, n'importe où je peux me promener, tout le monde me verra. Des messieurs qui sont à Abidjan, ils viennent du Congo, ils viennent ici, mais c'est ce que les gens peuvent comprendre. Ce n'est pas aussi de leur faute. C'est normal, c'est correct. Maintenant, et cette chair peut être insultée comme tout le monde peut le faire. Revile as everybody can do. Okay, right? Ils connaissent cette gloire. They know that glory. Ils lisent ce qui en est. They read what ce qui en est dit. C'est dans la parole ici. Is it la gloire de the Dieu. Bible, the glory of God, and so forth. Pour eux, for them, ce n'est qu'une parole. Pour nous, word, c'est us, une manifestation. It's a manifestation. Voyez. You see. Ce n'est plus la parole. It's no more the word. C'est une réalité. It's a reality. Dieu a dit God que said, la lumière sort. Let it be light. Ça, c'était la parole. That was the word. Laissez tonner révéler. Rassemble les poux, c'est une parole. The founder gathered the bride together. It's a word. Attendez que les tonner fassent attendre les paroles. With them seven founders after the voices. Pour certains. It's a word for some. Mais il y a pour quelqu'un quelque part. But for somebody somewhere. Ce n'est plus la parole. It's no more the word. C'est une réalité. A reality. C'est une vie vécue. It's a lived life. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est une parole. It's a word. Mais pour certains, c'est une réalité. It's a reality. Je bénirai votre haut. Je bénirai votre paix. Pour pray. Certains, c'est la parole. Mais pour it's d'autres, word, but for c'est others, une réalité. It's a reality. Vous serez la tête et non la queue. Shall be
Pour certains, c'est la parole. Mais pour d'autres, c'est une réalité. Et je suis sûr et certain que vous voulez une réalité. Voilà pourquoi j'ai prêché ici les triples témoins sous le septième sceau. Des paroles vécues. Glory. Écoute, frère. Merci, Seigneur. Alors pour nous, ce n'est pas simplement la parole. Ce n'est pas simplement la parole écrite. C'est une réalité. Nous sommes en lui. Et nous en bénéficions maintenant. Nous le contemplons. Maintenant, nous le voyons, la parole. Il se manifeste. Tu le vois où? En toi. C'est caché aux yeux de l'extérieur. Parce que cela est voilé de la chair humaine. Le Dieu puissant est voilé devant nous. 196. Nous sommes identifiés avec lui en acte 2. Nous sommes identifiés avec eux, avec le baptême. La même chose. Tout ce qu'il était, alors tout ce qu'il est, tout ce qu'il était, et tout ce qu'il est, nous le sommes. Est-ce juste? Est-ce juste? Tout comme je désire être un véritable Américain, je dois être identifié avec tout ce que l'Amérique a été, dans sa honte et dans sa gloire. Être identifié avec la Côte d'Ivoire, dans sa honte et dans sa gloire. Ça, c'est de la section naturelle du livre et de la section éternelle du livre. Tu dois être identifié. Quand Malachi 4 ouvrait les seaux, tu étais là. Amen. Identifié par la puissance apostolique, tu étais là. Alléluia. Et tu veux le voir dans ta vie. Ici en Côte d'Ivoire. Que les rachetés disent amen. Vous pouvez vous asseoir. Écoute. Explorer cet état de l'église. Vous comprenez maintenant pourquoi il est dit que quiconque le lit ou même attend ce qui est dit est béni. Il est la révélation de Dieu qui vous donne l'autorité sur le diable. En d'autres termes, la révélation vous donne une autorité. Une autorité par la révélation de qui tu es. Alléluia. Gloire à Dieu. Une autorité. Une révélation. La puissance de Jésus. The power of Jesus. C'était que Jésus savait qui il était. Who he was. Et le but pour lequel il était sur la terre. Amen. Amen. Bénissons son Saint-Nom. Blessing this holy name. Gloire du cœur. Gloire en Dieu. 27 Malachi 4. Il dit, Satan, j'ai l'autorité de briser ton pouvoir. To break down your power. Tu dois sortir de cette femme. Have to leave this woman. Il y a ici plus que Salomon, 221. Maintenant nous sommes élevés dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Avec toute l'autorité. Le ciel sur la terre nous est donné. Avez-vous jamais pensé à cela? Quelqu'un dit, avez-vous la puissance? Non. Non. Mais j'ai l'autorité. Ce petit policier qui se tient standing ici, tout près ici, à jamais, fatigué, il n'a même pas mangé le matin. C'est son habit qui lui donne l'autorité. Et l'habit a cette couleur, l'habit de l'immortalité, te donne l'autorité par révélation. Si chaque démon ne me dit pas que rien ne marche avec moi, viens simplement ici m'écouter. Viens simplement ici écouter. Quelque chose se passera dans ta vie. Peu importe le temps que tu as fait sur cette terre,
avec assez de problèmes, tu seras délivré, guéri. Je ne crois pas à un Dieu imaginaire. Not believing in an imaginary God. I don't believe an imaginary God. Cette même autorité qui a dit que les sept données sont les sept voix de sept ans de l'église. Cette même autorité a dit, je vis de jeunes gens être remplis du Saint-Esprit. Cette même autorité l'a confirmé ici. Cette année, vous avez de signes ici. Vous serez scellés. Ne vous occupez pas du tien. Of the devil. Don't mind the devil. Allez réveiller mes disciples. 125. Nous n'avons pas de, nous n'avons pas de puissance. We don't have power, mais nous avons l'autorité. But we have the authority. Ce n'est pas la puissance qu'il faut. It's not the power that quelqu'un takes. Demandait, avez-vous la puissance? Asked, non, j'ai l'autorité, c'est exact. No, I have authority. It's true. J'ai l'autorité pour le faire. I have the authority to do it. Mais je dois attendre les ordres pour I le have faire. To wait for the order to do it. Jean 5 déclare, le Fils ne fait rien. The son that mais il fait tout ce qu'il va faire au Père. He sees the Father do. Dimanche passé, le frère allait là-bas. Il avait une certaine préoccupation. Et dans mon cœur, je dis, quelque chose me dit, allez, reçois les désirs de ton cœur. Il m'a appelé. Mais c'est extraordinaire. C'est cela tu es en action. Ce n'est pas de l'imagination. Je n'entends pas un amen quelque part. Ici, dans la saison où nous vivons, c'est la réponse à tes préoccupations. Commence à crier aux ânes, amen, shout. Amen, comme les Anglais le disent, shout, alléluia. Dis amen quelque part. Alléluia. Nous avons l'autorité, mais nous attendons des ordres pour le faire. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit Père au Père. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Nous savons que Jean 15, 19, le Fils ne fait rien de lui-même, mais il fait tout ce qu'il voit faire au Père. Le Père lui montre et il va y le faire. C'est une autorité par révélation. Cette épouse aura la révélation et la bouche des critiques sera fermée. Une révélation par autorité. Dites amen à quelqu'un. Il n'y aura ni pluie ni rosée. Sinon à ma parole. C'était une révélation qui a donné l'autorité à Élie. Les sept données sont les sept voix. C'était une autorité. Quand Dieu a parlé à son serviteur, le ministère apostolique, est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et je dis ce matin, quelqu'un peut être guéri, quelqu'un peut être délivré, quelqu'un peut être scellé. Je n'ai pas de puissance, mais j'ai l'autorité qui me l'a donnée, Jésus-Christ lui-même. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront des démons. Quel démon peut se tenir devant Elohim? Quel est démon qui te fatigue dans ta chair pendant que tu viens ici? Qui peut se tenir devant Elohim? Quel est le cancer qui est dans ton corps qui te fatigue année après année? Qui peut se tenir devant Jésus-Christ? Maintenant que je te parle, commence à déclarer que je suis guéri. Tu dois le dire parce que Jésus est ici. Quelle est cette situation qui peut t'enchaîner, qui peut t'aliéner? Et pourtant tu es un fils. Il est mort pour toi, pour que toi tu deviennes lui. Je veux te voir prospérer à tous égards. Tu t'amènes quelque part. Je veux te voir béni dans ton champ. Dieu veut te voir être scellé. Dieu veut te voir être ouais. Dieu veut te voir être rempli de lui-même. Être rempli de sa présence. Être rempli de son aide. Être rempli de sa vie. Oh, gloria rose. Est-ce que quelqu'un peut le croire? Est-ce que quelqu'un peut le croire? Est-ce que quelqu'un peut le croire?
Est-ce que quelqu'un peut le croire? Est-ce que quelqu'un peut le croire? Je crois que l'église du Dieu vivant entre dans une sphère qui va secouer le monde. C'est la première fois que ce Dieu est arrivé à un être humain. Depuis le jour de Jésus de Nazareth, demande ce que tu veux et cela te sera donné. Tout ce que tu désires, ne voyez-vous pas les paroles de Jésus s'accomplir? Cela va s'accomplir bientôt. Si ce n'est pas ici aux deux plateaux, c'est où? Si ce n'est pas dans ta vie, c'est où? Je n'attends pas d'être adopté, mais il y a un ouin ici. Il y a un homme ouin. Il y a quelqu'un qui est ouin, qui te représente dans cette rédemption et qui est en train de te dire que cela va s'accomplir. Je m'attends à ce que cela s'accomplisse dans ces réunions. Je désire que cela arrive maintenant, que cela s'accomplisse maintenant, que cette onction frappe toute l'église du Dieu vivant. Elle va s'élever comme une armée en marche. Quelqu'un ce matin peut recevoir cela. Quelqu'un ce matin peut recevoir le désir de ton cœur. Quelqu'un peut être levé où le cancer s'en va, la paralysie s'en va, les tumeurs s'en va, toutes ces puissances ancestrales. Quelqu'un doit être changé ce matin. Quelqu'un doit, cette onction va frapper l'église. Je dis, si ce n'est pas ici, c'est où? Si ce n'est pas au deux plateaux, c'est où? Je vous le déclare ce matin. Quelqu'un peut être scellé. Quelqu'un peut être guéri. Nous sommes dans les processus maintenant. Je crois que cela va arriver bientôt. Je crois que cela va arriver. Cela va frapper l'église du Dieu vivant. Cela va commencer un réveil. Et ce réveil va exploser dans ta vie. Cela va exploser dans ta vie. Cela va commencer. J'ai la révélation de qui je suis. J'ai l'autorité ce matin de démolir l'enfer dans ta vie. Ferme les yeux. Lève ta main. Oh, gloire à Rose. Nous devons le croire. We have to believe. Quelqu'un doit le croire. J'ai dit lève ta main. J'ai dit quelqu'un doit le croire. Nous devons le croire maintenant. C'est pourquoi je fais ceci, frère. Si c'est troisième phase, c'est pourquoi vous voyez toutes mes prédications. Pendant tout ce temps-ci, je le fais pour élever votre foi. Nous entrons dans les lieux très saints. Purifiez votre âme. Purify your soul. Rien ne peut arriver. Nothing. Cette onction est dans la salle. This anointing is in the building. Les tumeurs peuvent partir. Tumor can leave. La stérilité prend feu dans ta vie ce matin. Barrenness is handing your life this morning. Une bénédiction commandée va arriver dans ta vie ce matin. In your life this morning. Si c'est troisième phase, troisième poule, il y a une onction sur moi, frère. Il m'a dit, je vais te confirmer. Et vous l'avez vu, ici dans cette église. Aucun démon ne peut se tenir. Ne peut se tenir si ma route vers la résurrection. Aucune puissance. Lève-toi ce matin. Lève-toi ce matin. Quelque chose est ici. L'onction qui est ici se déplace vers une femme, vers un homme, vers quelqu'un qui soupire, qui gémit, qui veut voir quelque chose arriver dans sa vie. L'onction qui est ici est en train de se déplacer vers quelqu'un, est en train de voir quelqu'un est en train de sentir la présence de cet ange. L'onction est ici. La déité est ici. Jésus est ici. Quelqu'un, c'est toi.
Quelqu'un, c'est toi. Quelqu'un, c'est toi. Quelqu'un, là-bas au fond. Là-bas au fond. Quelqu'un, vous qui êtes devant. Je dis quelqu'un. Quelqu'un doit paralyser l'enfer. Le temps que tu as souffert. No matter the time you suffer. Tu rentres aujourd'hui dans l'âge de victoire. Today, you entering in the age of victory. Peu importe les années que tu as souffert. No matter the years. Aujourd'hui c'est ta victoire. But today is victory. Aujourd'hui c'est ta victoire. My God. Oh, mon Dieu. Aujourd'hui c'est ta liberté. Oh Father. Aujourd'hui c'est ton temps. Gloire à Ross. Peu importe. No matter. Le temps que tu as souffert. Le temps que tu as gémi dans des douleurs. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. Peu importe comment la maladie. Est grand à tes yeux. Il est petit devant moi. Il est petit devant moi. Il est petit devant moi. Reçois ta guérison maintenant. Reçois ta guérison maintenant. Reçois ton scellement maintenant. Commence à sentir sa présence. Reçois le Saint-Esprit. Viens frère. Viens sœur. Viens frère, viens sœur, fils de Dieu, fille de Dieu, aujourd'hui, c'est ton jour, fils de Dieu, aujourd'hui, c'est ta victoire, c'est ta liberté, c'est ton liberté, ta liberté, c'est 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 ta liberté. C'est ta liberté. C'est ta liberté. Je déclare, Satan, au de ta main, je te ordonne, dans le nom de Jésus, sors de la vie de cette femme, de cet homme. Tu es fini dans leur vie. Seigneur Jésus, envoie le Saint-Esprit, envoie la puissance, envoie la deité. Restore. Demande ce que tu veux. Ask what you will. Que personne ne ferme ta bouche. Je ne te dis pas de chanter. Je dis élève ta voix. Demande ce que tu veux. Ask what you will. Don't close your mouth. De douleur dans ta vie, je dis élève ta voix. Ne ferme pas ta bouche, élève ta voix à haute voix. Gloire, le Saint-Esprit pourra me parler de quelqu'un ce matin. Oh, gloire, alléluia, élève ta voix. Ceci, c'est ton jour fait.
importe le temps que tu as fait de la souffrance, ta souffrance s'arrête ce matin. Je dis maintenant même, quelqu'un est en train d'être guéri surnaturellement. Écoute la prière de ce frère et sœur. Donne-la les désirs de son cœur. Le Saint-Esprit est ici. The Holy Spirit is here. Il va te t'accorder maintenant. He's granting you right now. Ton cœur. L'onction est ici. The anointing is here. La puissance de Dieu the power of est en train de se déverser dans les bâtiments. Le Saint-Esprit est en train de se déplacer d'une personne à une autre. L'ange du Seigneur est en train de se déplacer d'une personne à une autre. Il est en train de sceller quelqu'un. Il est en train de remplir une âme. Tout ce que tu sens maintenant, ce n'est pas le diable. C'est l'Esprit de Dieu qui te visite. Quelle gloire! Je suis Jesus, la colonne de feu. The pillar. Il est en train de répondre à ta prière. Le temps est court. Time is short. Ceci, c'est le temps de scellement. This is the sealing time.
Praise God. Praise God. Praise God. Seigneur Jésus. Lord God. Seul est le Père. Seul est son nom. Dans ta gloire. In the glory. Qu'il soit transféré au ciel maintenant même. Dans le nom de Jésus-Christ. Par l'autorité de la parole de Dieu. Seul est son nom. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Regarde ce jeune frère Panama. C'est le Seigneur. C'est le son âme. C'est le Seigneur. Envoie le feu dans son cœur. Gloire. 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 Il y a quelqu'un ce matin. Je ne t'impose pas la main. Mais la main de Jésus est sur toi. Je te donne le désir de ton cœur. Reçois ta guérison. Reçois le Saint-Esprit. Reçois la puissance. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Le feu descend à ton âme. Le feu remplisse ton âme. Que le feu remplisse ton cœur. Que le feu remplisse ton cœur, David. Que le feu remplisse ton cœur maintenant, David. Dans le nom de Jésus. Que le feu remplisse ton âme. Partout dans la salle. Que le feu remplisse ta maison. Lève ta main. Tu es libéré. Tu es franchi. Tu es guéri. Tu es délivré. Tu es scellé. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es scellé. Tu es scellé. Reçois la puissance. My God and my Lord. Alléluia, alléluia, alléluia. Je marche.
Vers le ciel en signe de toi, Jésus. Si je marche, si je marche jusqu'au bout, par la foi, et sans le tout, je sais que je suis, mes yeux verront. Amen au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Nous allons nous retrouver ici le mercredi soir, à partir des 18h, pour la réunion du soir. Amen. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche à vous. Je décide de suivre Jésus. Moi je décide de suivre Jésus. Suis
destiny.